Je me présente, Linda Saussier, titulaire de la chaire musculo sur la qualité et la salubrité des viandes. Ça fait plus de 20 ans que j'œuvre dans le secteur. La viande est un aliment dense en nutriments, ce qui contribue à sa nature périssable. Donc, l'industrie n'a pas le choix que de développer une panoplie de stratégies pour la conserver et minimiser le gaspillage alimentaire. La chaire musculo et les innovations qu'elle propose sont au cœur même de ce souci de toujours mieux faire et, par conséquent, d'offrir aux consommateurs des produits sains et de qualité. C'est en travaillant proche et de concert avec l'industrie que ce que nous allons faire aura de l'impact véritablement sur le secteur et sur le terrain. C'est dans une approche axée sur la durabilité que la chaire musculo va développer des stratégies novatrices pour les différents maillons de la chaîne agroalimentaire pour relever les défis contemporains de la production et de la transformation alimentaire. Une connaissance approfondie des facteurs qui influencent la qualité et les écosystèmes microbiens nous permettront de développer des correctifs adaptés à notre industrie. On peut penser à des modifications d'équipement, de nouvelles procédures de nettoyage et de désinfection ou la biosécurité sur la ferme. La chaire de recherche musculo est constituée de trois grands axes de recherche. Acquérir une connaissance approfondie des systèmes microbiens pour assurer l'innocuité et la salubrité des viandes. Maintenir la compétitivité du secteur en misant sur la qualité et développer une nouvelle génération de produits de sanitation pour l'industrie. En améliorant la qualité, la salubrité et l'innocuité des produits de viande frais et transformés, on optimisera leur durée de vie, réduisant ainsi les pertes associées à l'altération et au déclassement de produits. La vaste majorité des travaux vont se dérouler en entreprise, sur le terrain. Les étudiantes et les étudiants vont donc pouvoir acquérir de l'expérience dans leur futur milieu de travail et être connectés sur la réalité industrielle. La chaire est dédiée à un secteur important de l'économie québécoise et on souhaite contribuer au développement régional et du territoire agricole québécois. Comme chercheure académique, je suis chanceuse d'être associée à des partenaires qui ont une culture de recherche et d'innovation bien développée. Holimel est le plus grand producteur et transformateur de viande au pays. Il s'est taillé cette place enviable parce que la qualité et l'efficacité font partie de ses priorités. Laboratoire Choisi, quant à lui, est une entreprise de Louisville qui œuvre en hygiène depuis 74 ans. Ils viennent de rejoindre le groupe international Kersia, au sein duquel leur expertise en biotechnologie des produits de nettoyage et de désinfection seront mises à profit. Ensemble, nous développerons de nouvelles approches, de nouveaux produits disponibles pour l'industrie et les fermes. Finalement, c'est en collaboration avec le Centre de développement du port du Québec que nous maintiendrons des liens privilégiés avec le secteur.